Mbote na balandi nyoso ya Congo Live Television esengo mingi ya koyeba ete bozali ebele ya kolanda biso na numero ya lelo parce que lelo putulo ezo matamaka lezo tikala parce que ba sujet oyo pe ba information oyo tozali na yango na tongo ya lelo ezali ba information oyo ezali kosala pasi pe ezali kozokisa mitema ya ba Congolais nyoso population mobimba na actualité oyo tozali na yango lelo tokobeta masolo question ya sécurité ya mboka na biso na tongo ya lelo bande kona biso ya est ba sili kozwa lisusu tokolo ba sango ya mawa dizaine de personnes ba kufi na kati ya attaque pe na kati ya confrontation na ba miliciens ya Kodeko na kati ya mboka pe ya territoire ya Mahagi et bongo na kati ya dizaine wana si civil ba sili ko kufa na kati ya attaque ya ba miliciens ya Kodeko. Alors tozali kotala nenge nini mwana mboka Jean-Pierre Bemba zali ko préparer voyage na ye na Russie et puis na Chine pour na kotala ndenge nini akoki ko renforcer diplomatie pour na sécurité ya FARDC et pour que ba défendre intégrité territoriale ya mboka na biso et bongo to komeka un peu sous ko partager na bino elongo eloko ezali ko sala pasi eleki mingi ba internaute ba lobby ba population congolaise ba lobby et ordonnance et oye bimi et ordre d'émission pardon oye bimi ya gouverne ya chef de gouvernement Sama Lukonde alobi bongo 10 ministres bakende mission pour na question moko ya farine ya Okatanga population baleli balobi trésor public et monsieur les ali ko kende kaka boye ordre de mission ya 10 ministres pour na question moko tokoyeba yango na kati ya émission ya lelo et bongo Seni a confirmé pe biso lelo ete na mois de juin ba député ba kokende kotika candidature na bango pona maponami ya 2023 ya oyezali koya ba élection ezali koya. Alors esengo mingi ya kopanza actualité oyo na mwana mboka ye azali bongo tomesana kobenga ye les sénateurs ye azali kati na biso pour que tomeka un peu ko partager actualité ezali ko sala pasi mingi. Alors mwana mboka mbote na yo mbote monsieur le journaliste boni basango nini oyo ezali na yango na kati ya République démocratique du Congo information oyo enango kotia na place publique pour que ba Congolais nyoso bayoka mela yo information aliboso toye kolobela par rapport ya organisation internationale de francophonie ou ba se permettre zo courage ya koloba ke ba auditer fichier électoral ya Congo. En tout cas cette question est meki un peu ko inquiéter beaucoup de Congolais. Alors pendant que les problèmes ya ba élection relèvent même de la souveraineté d'un état. Alors de quel droit l'OIF peut se permettre et puis à la tête c'est Mushebe quoi une rwandaise. De quel droit elle peut se permettre à Kouya Koulobaba ou de fichier électoral Nabiso? Pendant que José Kagame, nulle part, Basala ou de fichier électoral dans la Rwanda. Nulle part, Basala est en France, moins encore aux États-Unis. Pourquoi seulement au Congo? Voilà pourquoi moi je pense que les Congolais doivent comprendre que l'ère est venue, tout se prendre en charge. Tout le monde peut qu'il y a un dictat, il y a une organisation internationale et sous-régionale. Pourquoi est-ce que l'OIF peut prendre ses courages, il y a Koloba Kemba ou tes fichiers électoraux dans la Moi, je pense que manœuvre Zalaki, Baloukaba a installé un logiciel pour manipuler les résultats de la serveur central. C'est quoi l'objectif? Parce que je trouve mal les élections d'un État souverain, toi, l'OIF, ou à tes fichiers électoraux. Heureusement que le gouvernement congolais a décliné, a refusé catégoriquement que l'OIF ait à avoir pour tes fichiers électoraux et à Nabiso. Moi, je pense qu'il n'a rien te féliciter le gouvernement congolais pour la décision de la base courageuse. Il y a un peu de dictateur, il y a une organisation, il y a un mindele. Mais est-ce que tous on a peut tout le bapé moi na bon solo est-ce que RDC a boy est OIF a quoi édicté fichier électoral na biso parce que il y a une rwandaise dans sa tête en tête na OIF parce que ceux là qui peut-être mutu mususu na solitaire mususu peut-être on est donc dit ma que OIF a na quoi non le gouvernement congolais a refusé non parce que il y a na tête il y a OIF une rwandaise a boy ba on est pas dictat parce que OIF nulle part en même en Afrique awa tout le monde a été coûté par fichier électoral à Bamboka na Misusu. Moins encore na Congo, moins encore na Rwanda. Ce qui Kagame a organisé l'élection, a remporté 98%. Nulle part tout le monde a OIF à Meka, qu'on a un peu démarré, ça a démarché, on a coûté fichier électoral dans la Rwanda. Pourquoi seulement la RDC? Vous comprendrez que ces impérialistes ont compris que même la voie à l'élection, candidat à Bamboka, vous l'écartez.
Voilà pourquoi balingi batin na mission wana pour na koya ko installer ba logiciel na bango pour manipuler ba résultat. Tu vois comment ces gens fonctionnent. Malheureusement le gouvernement congolais ba réservé là qui bango un cadre un non catégorique. Voilà pourquoi ba décliner offre wana ya koya les sous-qualités fichiers électoraux na mboka na biso. Voilà, toujours continuer toujours parce que to bandi déjà na batsango yo même li biso et même biso déjà na maponami o ezali déjà na 2023 awa. Alors lelo oyo ba congolais bangi bayeba Seni alobi a tie porte ouverte pour que ba congolais ba ya kosala nini ba ya koyeba makambo o esalami de na kata Seni mais ba opposa ba lobi ezali manière ya ko tricher. Alors avini ni o lingi ko tsa parce que ba congolais ba lingi ba comprendre ba opposa ba lobi que porte ouverte ya Seni ezali ko favoriser glissement lelo oyo Seni alobi que bon to tsa porte ouverte. Alors population nga yeba nani ezali ko loba bosolo. Mais c'est le juste de comprendre que l'opposition n'est pas prête à aucune élection. Tout ça, la manœuvre, ça, ils ont préparé déjà comment revendiquer la souveraineté des urnes en 2023. Parce que je pense que c'est une occasion en or. Parce que vous avez fustigé Seniwana. Oh, Seniwana, Kadima, Azamouto, pouvoir. Mais bah, c'est une journée porte ouverte. Vous avez posé des questions possibles ou ils ont un rapport avec les élections qui se pointent à l'horizon. Mais comment maintenant, tu comprendras que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Bah, quand ça qui tu dit, contraindre qu'il y ait un dialogue pour avoir poste, bah, ça la santé financière pour na, bah, se présenter en 2023. Malheureusement, tu sais qu'il était tenace à ABC Bango, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous irons aux élections. Parce que tu sais qu'il s'est préparé en conséquence avec le peuple congolais pour remporter deuxième mandat dans l'élection en 2023. Voilà maintenant l'opposition. A comme il y a un massacre de l'élection, a comme il y a un bouc émissaire, ôté, parce qu'on préparé glissement. Glissement par rapport à quoi? Les élections auront bel et bien lié. Il y a un expert dans Bango, dans Seni. Bah qu'il ne vous n'a pas là, bah question ou bah une question de balan ango, bah qu'on répondre bango. S'il y aura un sort qui ne va pas aller, bah qu'on le bango au vie aussi de tout le monde pour voir l'accès que non, tricherez à se préparer. Mais jusqu'alors, sur base y a quel élément? Oh bah c'est la allusion à triche, la tricherie. Sur base de quel élément? Parce que bazali pour condima, balbi Denis Kadima, alika qui n'a pas manière, moko oyo ezali na consensus té. Et puis Seni, balbi que Seni ezali consensuel té. Et puis balbi que pouvoir en place azali na Seni, pouvoir en place azali na cour constitutionnelle. To moni sousou mwana mboka Félix, tu sais que y a aussi sousou ko renouveler mandat ya procureur général près la cour constitutionnelle. Balbi que nyo so on est dans maboko ya pouvoir en place, donc bango bako ndima élection oyo té. Wana eza ba faux fouillant. Bazo préparer contestation. C'est leur jeu. Ba yebi ke ba kozo na élection te nana ko voter opposition. Et ça le problème. Les preuves sont là. Au moment qui carton plein oyo, ignon sacré sain nakati ya martyr. Déjà j'ai fuite en avant ba osala wana. Parce que lelo oyo qu'on se le dise. Kadima auti wapi. C'est ça le problème. Parce que la présidence ya Seni ils ont réservé dans la confession religieuse. Tout à fait. Alors, mais parce que même les chefs de la magambo. Mais parlons de la confession religieuse. Batikali les 6, Batalaga 8, Batikali 6. Kadima bimi na 6 confessions religieuses. Les deux autres, Baboyi ko bimisa Kadima. Donc consensus exact. Je pense que ce n'est pas la première fois. Le même les deux confessions religieuses là. Oh bah ça la cachée avec impérialiste. Na 2011, Baboyi akapika catholique, na protestante. Ces deux confessions religieuses, bango ne va pas gérer l'impérialiste dans Mboka. Malheureusement, le peuple a ça comprendre la gêne bango. Parce que leur candidat l'a quitté. Oso Mona, son éminence, cardinal Ambongo, Oso Boya Kadima, pour la simple raison, parce qu'il est kassaïe. Allez-y comprendre. Lui qui est censé mettre tous les Congolais ensemble, mais au fitigé Kadima, autant même expertise n'a été dans le domaine électoral. Autant même expérience à Zanamote, mais au fustigé parce que à Zanam même tribunal chef de l'État. Mais peut-être ça peut être voisin moyen ou à quoi à Rotikan de Kounaï a raté l'élection quand même. Moi je pense que Kabila a tiré la Kibiso Nanga comme président Seni, mais candidat Kabila a joué dans l'élection en 2018. Ite. Pourquoi moi je vous dis ici, l'opposition est en mal à positionnement. C'est ça le problème. Ils ont compris que dans l'élection 2023, il n'y a pas un candidat pour faire face à Félix Tshisekedi. Au regard, il y a popularité au Félix Anango. Il y a eu plus ou moins 8 sondages dans Mboka. Ils ont placé Félix sur la tête, il y a course.
avec des 70%, 70%. Les opposants, au hasard, l'opposant majeur n'a pas failli, à même 23%. Ils ont compris. Opposition va lobby que présidium y a une union sacrée dans le stade, va lobby dans le stade vide. Bon, moi je pense qu'ils ont des yeux, mais bah, au moins, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Malheureusement, l'opposition congolaise a une union noire. C'est ça le problème. Or, quand tu es opposé, il faut être réaliste. On a vu Tshisekedi qui le père faire l'opposition dans ces pays. Au moment où on a à chaque fois sorti médiatique, c'est ça un charisme et un leader politique. Mais Fayoulou, même il y a un leader face à la conférence de presse. Il y a un silice même, il y a un silice assis le corps. Parce que l'opposition n'a pas eu un discours européen en 2023. Ils n'ont pas eu un discours européen avec les Congolais. Il y a un monde qui a faux fuyant. Bon, il y a une élection. Tshisekedi est prêt pour aller aux élections. Il y a une élection. Maintenant, il a mis toutes les batteries en marche pour qu'il y ait une élection. Plateforme électorale, il y a une union sacrée. Il y a un carton plein. Il y a un monde qui a été convoqué. Mais ton gars, tout le monde a marché dans la mi-hour. Souvenez-vous avec l'IDPS. L'IDPS était Kabila Panzi Likolo. Il y a eu des marches, des marées humaines à marcher seulement dans Mboka avec Kabila. Juste que Kabila s'est fatigué. A tout ni j'en ai marre avec ses marches. Mais l'opposition, l'élo. Il y a eu une marche, une opposition sali. Oh, on a tapé des 2000 personnes là-bas. Mais l'opposition est une perte à vitesse. Il n'y a pas un opposant là-bas. Il n'y a que des opportunistes de Bazaona. On a dit ça autrefois. Maurice Katumbi, Martin Fayoulou, Delice Sanga, Bazali qui ont pesé. Pas opposant. Tous ces opposants, passés dans le monde qui ont rattrapé. Toi, tu as dit que Delice Sanga est opposant. C'est Messie qui a le sang entre ses mains avec les Congolais. Il a pris les armes, il a tué les Congolais. Lélo, il se réclame opposant. Je suis désolé. À moins que le Congolais ait la mémoire courte, il ne faut pas voter Mikola Delice Sanga. Il ne faut pas voter Moïse Katumbi. Papa. Comment est arrivé à Moïse Katumbi et Sali Congolais a sous député, papa. Moïse Katumbi a un aéroport. Moins de 1000 personnes. Si c'est que Daouta, Potoya, Awa, plus de 2 millions de personnes. Est-ce que tu peux comprendre ça? Si c'est que Daouta Katanga, qui est entre guillemets fief à Katumbi, il y a un marée humaine. La presse est lobby. Nous avons la plainte on a Isa Moïse Tshombi. Après tu sais qui. Même yo Katumbi, na ba yambe bon na Lubumbashi te. C'est ça le problème. On a fief électoral na entre guillemets. Et pas yé bien bien que il ne fera jamais face avec Félix Tshisekedi. Tous ses opposants passés na bande pour rattraper bango. Peuple ça sous député. Il y a pas un opposant wa ko bang sa Félix dans l'élection 2023. Azate. Y a un moni bango comme ko bang aucune élection. Bango ko faux fuyant. Bango ko ka ba alibi. Ôté, fichier électoral, ôté, toqué l'élection, bloqué l'élection. Il n'y aura pas de dialogue, c'est ça le problème. Et moi, les Sénégalais, on a l'ennemi. Nous, disons, demandons les dialogues. Et sous qui? Parce que Tshisekedi a yébi, a outil l'opposition. Toutes ces vieilles méthodes, il dépasse ça dans votre opposition. Donc, nous avons une mission à la réalité. Nous allons apprendre dans le vieux singe comment grimper. Le coup, il dépasse. Et bien, il traîne dans l'opposition. Tous ces opportunistes là, bah aussi le pouvoir non, bah y a une opposition toi, bah tacte, n'a pas stratégie, y a opposition c'est l'IDPS. Maintenant c'est l'IDPS qui est au pouvoir, y a au banque c'est l'IDPS la stratégie ni. Mais déjà Bazali peut vouloir que l'Union soit l'IDPS à réclamer qu'on a un pouvoir Kabila, mais les lois européennes, Bazali qu'on sale mais on a pouvoir y a l'IDPS, l'IDPS à réclamer que c'est nul mais t'as gaz lacrymogène, t'es mais les lois l'IDPS a donné t'as gaz lacrymogène, bah des cris qui l'IDPS corruption, les lois corruption Bazali qu'on continue. Alors population fait Bazali vouloir que bon opposant peut-être Bazali a peine à raison. Je pense sur le rapport, il y a des organismes internationaux sur les droits de l'homme. Ok? Zéro journaliste arrêté. Aucun manifestant arrêté. N'a pas marché ça dans Bokao. Gaz lacrymogène, même n'a pas été mis à Makano. Ce qu'on perturbe l'ordre public,
pour nous disperser, nous avons besoin de gaz lacrymogène. Mais du moins, depuis que Félix est au pouvoir, il y a une marche nini, oyo, et ses soldats sont morts. Oyo, yebi. C'est ça le problème. Même en France. Ton retard à l'étresse. Papa, il n'y aura pas de mort. Ton retard à l'étresse. Malheureusement, les opposants, c'est une mauvaise stratégie. Il y a qu'à créer, il y a qu'à perturber l'ordre public pour pas le capable justifier aux policiers de mettre gaz lacrymogène. Moi, je pense que ceux qui marchent sont les pacifiques. Bakubanda marche na bango place bakubanda si bakosu ki ça il y aura pas il y a gaz lacrymogène à condition que dérapage zalati. Vous comprenez? Autre fatomona ki bango basali marche bauti na changu bandi ko passe na ba effigie à chef de l'état. Vous comprenez? On est sous marche té. On en ce moment là la police doit faire son travail parce que la mission à la police ali lili ko maintenir l'ordre public. Au cas où la marche serait pacifique, je ne pense pas que excusez, gaz est gobet. Alors, tout ce que va marcher réellement. Bango va créer mon boulot pour justifier la police à Panzaki Bissot. Ceux qui marchent à Pacifique, tout ça, ils vont essuyer la poussière, ils vont l'échec. Parce que dans mon Congolais, mon côté, on répond le président à la marche, il y a un opportuniste, il y a un conglomérat d'aventuriers. Déjà, Seni a lobby que na mois de juin awa depuis député ba otika candidature na bango déjà mais tozali komona que mboka na biso tout le monde a lobby que bon à côté politique na ébité lelo oyo de élection en 2023 na surtout ko matana ba 3000 candidats na députation est-ce que yo par rapport ya mona mboka lelo oyo tozo comprendre te pour na ozala riche il faut ozala grand na politique c'est ça le problème. Bato ba pesa ki guyo koma ba politisien na mboka oyo ezali ba régime dictatorial eka na mboka oyo parce que ba yebaki ke muto yebaki ke sona komi politisien ba confier ba responsabilité à l'état na nanga pona koyiba ba okanganga ite na ko s'enrichir na uta wa bisona émission précédente awa muto alonga locataire ya deux chambres salon akomi ko atongi ba immeuble na Congo il n'y a que Congo ici o ba kanisaka so ba pesa ba responsabilité à l'état oyo pona ko s'enrichir. Moi je pense que l'eau quand on dit c'est qu'elle a par tous les moyens a changé classe politique congolaise et tous ces vieux voleurs wana ba détourner au tribunal de politique à Mobutu à travailler à Mobutu yemoko wana à travailler à Kabila les pères à travailler à fils à une union sacrée mais trop c'est trop à kaba jeune ba se retrouver à kabiso ba jeune to sisi ba université to retravailler ya moni Félix a eko balayer classe politique nous sommes vieux wana pour travailler na ba jeune parce que ba jeune ba koyana souffle ya sika ba jeune ba koyana mentalité ya sika parce que ba vieux wana détournement qui mouille beza ancré na aden na bango soko che wana abani kotala que c'est ça la wapi a détourné ba millions. Voilà pourquoi ba circuit nyoso circuit nyoso ezali pona aya ko détourner. Voilà pourquoi Félix comprena cela. Aligny maintenant a changé classe politique congolaise. Abandonné comme déjà un mandat haut. Y a Motali, on a des ministres jeunes, on a des mandataires jeunes. Cette fois-ci aussi, en 2023, nous aurons des députés jeunes. Bisomoko toko s'en charger n'ango. Ko promouvoir jeunesse, la députation nationale, la provinciale. Jeunes, voter jeunes. Pour te changer un peu la classe politique où ils a pourri, où ils détruisent Mboka haut pendant plus de 4 décennies. C'est ça la vision chef de l'État. Travailler avec la jeunesse, ko promouvoir jeunesse. Pour confier à la jeunesse ma responsabilité à Mboka, bah l'accès de quoi est-ce qu'ils sont capables. C'est ça la politique du chef de l'État. Voilà, les lois, la structure union sont les lois consommées dans le trésor public. Le président de la République a dit niet, la structure de l'union sont les lois qui sont les lois. Les lois, le président de la République a dissoudre fonds, fonds social, Mboka Nabiso, et ils ont normalement fonds qui permettre à tout le monde dans le COVID, pendant la période de COVID, se retrouver. Les lois COVID est silly, mais fonds, ils ont toujours besoin, toujours. Mon solo. Mon peuple n'a pas besoin, place un peu de temps, le président de la République a dissoudre yango. Population va a dissoudre, pe sensa. Le lo oyo, sensa oyo. Et l'on va kate ponanim. En tout cas, moi, je ne vois pas la raison d'être à sensa. Parce que sensa, et ça l'a dit, lorsque tu as une consultation, et ça l'a dit, il y a un niveau à catholique. Wana. Tant dès lors, tu as une élection, ça l'a mis déjà. C'est sensa, il ne faut pas dissoudre yango, carrément. Et puis ça budget fort. Vous comprenez? Moi je demanderai au chef de l'État, balongo la scène ça. Et ça c'est une raison d'être n'a ngoté. Dès lors, ne ba choko dissoudre fonds social wana et tikali scène ça. Et ça mais sinon ça budget fort. Et ça coûter pour la République. Pendant que mbongo na ba ko louer yango na social peuple congolais.
il faut pas discuter sur moi même scène ceux qui scène des ceux qui il y a il y a droit de l'homme wana voilà na moni raison d'être na yangote dès lors que les pays et si les gens ont il y a démocratisation c'est un DH wana na moni raison d'être na yangote nous avons déjà ministre à droits humains à lui wana ça suffit vous comprenez à travailler wana na cabinet na c'est tout tout ces organismes organisation wana pour nangai les chefs devaient dissoudre ça parce que ça budgétivore et ça coûte na budget à l'État pendant que mbongo wana to wana ba ko ko renforcer na mambo ya ba guerre na kada partie est ba ko aloua ngo ba ba sa budget associé la peuple congolais moi je pense que les chefs a dissoudre scène ça wana o linga ko ibalo kele soka osa musani ni soit aux gens en opposition soit aux gens wapi ba dissoudre yango parce que na monici na raison d'être la scène ça c'est pendant que les mboka ils a dirigé na institution ils ali établi par na élection mais to monique président de la république azali toujours na volonté wana mais soit to kei une fois to interrogeaka ndeko linga ko ya lobino na uti ko sala voyage na sololina ba Moïse Katumbi na sololina na Martin Fayulu pour que ba na mboka wana so va vanda to solo la pona ko tala avancement mboka na biso mais uti ko lega mikolo Moïse Katumbi balobi ke ngai na kutana kana olenga koite alors c'est ça azali ko kosa population c'est ça azali ko mema makambe bele na kati ya population mais olenga ko yalobi ke non ben élection yango eza na 2023 musala na ngai ezali nan non nous avons des institutions ezali établi na kati ya mboka na biso yango to biso awa to wana seni qui est censé organiser les élections. Bon, c'est Nissan Moussa Nizani. Ah, ça, comité de suivi national. Suivi en quoi? Suivi en mais suivi encore. Il y a Saint-Sylvestre. Dès lors que tu es dans l'élection, Saint-Nissan devait tomber. Parce qu'elle n'a plus sa raison d'être. Parce que tu es aussi ça qui est dans l'élection. Ben, c'est un mot qui s'est déjà établi. Et aussi dans l'élection. Parce que Saint-Nissan, on s'en a suivi à Nîmes. Parce que la CENI est là. Municipale, la CENI qui est l'organe censé organiser l'élection, c'est à Liwana. Mais l'élection est déjà en cours. Ce que c'est ça, raison des années alignées. Olenga Nkoy, il devait quitter cette structure-là. Chef de l'État a dissoudre Yango. Bazo Mbongo, on a un financement. On a des Kisarakuna, un million de dollars. On a un peu de peuple congolais. On a souffert de mini Nanzala. Voilà, quand tu as toujours dans ma cambote, le trésor public, question, mon gars, que ça la passe. Bon, les lois, avant de côté, on a un peu de IGF, on a un peu de Moussala. Et plus de 600 et quelques millions, ils ont un peu de Koyabatu. Et mon tout moko, on a un peu de 4 ministères. Est-ce que les lois, lelo oyo tokolo banini parce que congolais alingi moninga na congolais te na ote ko ibisa awa mboka oyo muto aza la base ko mboka esa biso ba congolais na ote ibisa awa sans il est difficile à ces pays à se développer na ote ko ibisa au cours de l'émission précédente awa le développement d'un état ce n'est pas seulement le chef de l'état c'est aussi nous les diriger de prendre conscience tant yo tu te permets ya ko joa salaire na 4 ministères différents sans tenir compte qu'il y a d'autres Congolais qui sont chômés dans le monde. Allez-y comprendre. C'est la responsabilité qui revient aussi à nous, populations. Il y a des fonctionnaires qui sont frauduleusement. Moi, je pense que les PGR devaient diligenter maintenant une enquête. Et s'il s'agit de poursuivre Batouana, Bakangabango, va subir rigueur et la loi. Parce que les alliés qui mouillent, les alliés détournement. Comment est-ce que toi, un seul individu, un seul fonctionnaire, on touchera 4 salaires dans 4 ministères différents? C'est ça le problème. Mais est-ce que les OEP, parce qu'il y a un fichier, il y a ministère, il y a fonction publique, quand même, tout l'étage, et ça les macanons, est-ce que ministre et la fonction publique a ésali au courant de la situation on a mis en sauté? Parce que normalement, fonction publique, il y a ésali qu'on réglementé, situation, non, c'est NI, situation, non, c'est y a gens et cadres à l'État. Mais jusque là il y a namutu au sein il y a même la secrétariat et fonction publique nous ça les alliés comme ça les mapos et permettre toilettage il y a bateau ne soit affectif c'est pourquoi les PGR devaient diligenter une enquête bas remonter filière si le ministre est impliqué il doit être arrêté parce que c'est inconcevable bilo quand on est dans la carte ministère nayo aux au courant je me réserve il est impliqué. Mais moi, je pense que c'est à la justice pour établir ma responsabilité. Si le ministre est impliqué, si ses services sont impliqués, ils doivent être arrêtés. Parce que moi, je pense que Moussala Oyo, Yemoko, VPM, il faut passer à toilettage, il y a un fichier, il y a paye, il y a fonctionnaire à l'État. Mais où en sommes-nous? Jusque-là, 90 000 fictifs, 60 000 doublons.
bazoka ba salaire. Papa, allez-y comprendre. Ce que Moussala Masala qui a monté récemment ici, à Outa Osala, contrôle Awa. Contrôle Outa Osala. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu déceler cela? Que Batou Olo, ba sali enregistrement défaut. Moi, je pense que la faute revient aussi au service, il y a VPM, il y a fonction publique. Soit ils sont impliqués dans la mafia. Wana. Moi, je pense que le PG a diligenté une enquête. Quant à ce, bah, il va remonter ma filière. Si le VPM là est impliqué aussi, il doit répondre de ses actes. Parce qu'il va saigner le trésor public. Pendant que Mbokezo Lukambongo, pour financer l'effort de la guerre, Mbokezo Lukambongo, pour la prochaine association peuple congolais, il va avoir un bon à l'État, il va dilapider Yango, il va avoir un bon à l'État, il va avoir 4 fois salaire. Ce n'est pas normal. Mais déjà, Jean-Pierre Ligaoupa, il a dit que Ezali, il a un secrétaire, il a la défense, il a économie, il a quand même 4 ministères, Ezali, il a un secrétaire généraux, il a un côté ici, il a un NIML, il a bénéficié de salaire, et il a un côté de salaire. Fictif, les lots au mot cannabis, est-ce que tu as avancé dans ma mentalité à boy? Voilà pourquoi la hauteur de sa yo pour que Mboka Oyo et soit élé en développement, il faudra d'abord les changements de mentalité. N'a pas de sa awa, c'est l'inconscience collective où est détruit Mboka Oyo. Bisso va diriger, n'a pas tout va diriger. Bisso, tu es responsable, tu es congolais, ou est-ce que le loco est à ma bébé, au moins tu le fais quand même. C'est ça le problème. Et on a autour de awa. Sans suivi, sans sanction, il est difficile à ces pays de se relever. Parce que quand on dit qu'on sanctionne Batouana, Bauter, y a Elokoana, je pense que au Batikel c'est pas possible. Y a moi souhaité. Ceux qui sont secrétaires généraux ont besoin impliqués, ils doivent être sanctionnés sévèrement. Moi, je pense que y a on a autorisé ça Awa que la justice n'est qu'au chef de l'État Madame Onyonso. Malheureusement, justice Wana est aussi corrompue. C'est ça le problème. Vous comprenez? Parce que PG, Babylon a dirigé ma action. Judiciaire yangoana. Il faut intenter l'action judiciaire na makambo amoni. IGF a sali découverte wana. A sali banquette amoni qui non mbonga mboka ils a dilapidé par des faussaires. Mais c'est à lui maintenant. Il y a qu'on dirige enquête. Il y a qu'on kanga ko traquer ba faussaire wana na ba hôtel, na ba côté, ba sala prison. Je pense ba sali prison. Le ministère de la Justice. Voilà, moi, je suis en train de faire un dossier à justice. Et je suis en train de faire un passe. Je suis en train de faire un passe. Hier, le vice-gouverneur, moi, je suis en train de faire un passe. Je suis en train de faire un passe. Je suis en train de faire un cadre de la ville-province de Kinshasa. Je suis en train de faire un passe. Je suis en train de faire un corrompre le vice-gouverneur. Kambo et Ali Basache, Bazali ko sala musala illégalement dans la ville province à Kinshasa. Bakangi bango, ba condamné bango, jugement est bimi plus grave mon amboka. Jugement est bimi à 5 ans de prison et sengeli ba sala 5 ans de prison. Mais à plus forte grave oh Ezali to ko bengango même na français na lopoto gravissime. Ba ekoku ta mutu o ba condamné qui a 5 ans de prison avant d'y na bureau na ye azali ko so mo pepe climatisé pas azali ko sala musala malam. Est-ce que justice amboka na biso Ezali consciente? Je vous dis que nous avons un problème dans ces pays. N'est-ce que autrefois c'est la justice qui élève une nation. Tant que justice na binou ezo boité n'espérer rien dans ces pays. Voilà pourquoi les chefs, j'interpelle les chefs de l'État. À mettre un peu qu'on s'imprègne dans la justice. Il y a des magistrats verrés qui sont déterminés à ternir l'image du chef de l'État. Vous comprenez? Dans le domaine de la justice. Mais parce que chef de l'État, à part Koutan homme, cheval de bataille, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il y a qui, Koutan homme au centre de l'intérêt, il y a le peuple d'abord. Le chef de l'État a pronaqué Mingi, État de droit. État de droit, c'est-à-dire qu'on englobe justice. Mais est-ce que, na chef, il y a un magistrat, il y a un secteur, il y a justice. Est-ce que les lois, c'est-à-dire qu'on salit l'image, il y a président de la République, il y a parti, il y a État de droit. C'est ce que j'ai dit. Chef de l'État, cheval de bataille, c'est d'abord État de droit. Voilà. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Tellement ces magistrats ont compris. Ils ont compris, voilà pourquoi, parce qu'on va saper maintenant. Action à chef de l'État dans le domaine de la justice. Voilà pourquoi j'en appelle au chef de l'État Fungola Missou. Parce que Lelo Oyo, doit-on parler encore de l'État de droit en Mokao? Avec tout ce qui se fait dans la justice Nabiso. Quelqu'un qui a été condamné par un jugement. Le jugement a été prononcé. Bah, 4 ans, 5 ans, c'est un petit pénal. Mais ce monsieur se retrouve dehors.
Et puis, dans le cas où il y a un bureau, Kabila le père, quand il y a un bureau en 97, il a révoqué 300 magistrats. Parmi les 300, il y avait aussi Obé Minaku na Kati. Vous comprenez? Je vous informe. Il y avait aussi Obé Minaku, il était magistrat. Parce que la corruption est comme qui au sommet à justice Nabissou. Les gens sont ceux qui sont corrompre, bah au magistrat en Boka O. Alors, il y a des magistrats à ces années. Moi, je pense que les chefs, il faut bête à l'ibo qu'on a mis ça. Ces magistrats, bah au fin, ils aient lobby. Parce que les lots, doit-on encore parler de l'état des droits dans le cas de Mboka O? Ceux magistrats, bah ont sapé, bah soit chef de l'état, dans le domaine de la justice. Où est le ministre de la justice? On a déploré à l'émission passée, les lots O, ça revient encore. Qu'est-ce que fait cette dame-là dans le niveau de justice? Alors ça, la nini. Mais Togolo, parce que Lelo et Maman Rose Mutombo, c'est qu'il a démissionné parce que le ministère de la justice est allé trop peser tellement qu'il est allé dans le niveau, il est allé dans le poids, il est allé. Yango, il y a un autre qui a dit Congolais, ce qui a commis, a fonction à l'écolo, il y a un autre qui a dit qu'il est allé dans la famille. Parce que ventricule. Voilà, la ventriote. La ventriote. Congolais, il y a un sens de l'honnêteté. Ailleurs, elle devait démissionner cette dame-là. Elle devait démissionner parce qu'elle est incompétente. Le nom de justice est l'exception Sony. Vous comprenez? Il y a des magistrats verrés. Bah, ça la clique na bango. Et des avocats pour spolier bah, bah, paisible citoyen. Bah, ça la clique na bango. Pour qu'on rende bah, jugement par défaut à Lukuta. Vous avez notifié. Bah, ça est le moment à Lukuta. Comme si tu as été notifié pour bah, rendre jugement par défaut. Bah, paix ça. Raison. Na muto alesi ba mumbo. Ça s'est fait dans ces pays. Kendre ba cour ces tribunaux na biso papa. Oyoka mawa. Oyoka mawa. Voilà pourquoi j'en appelle au chef de l'État à fungola mise na justice oyo. Sinon te ba ko finga neye. Lele oyo e commission Nicolas Baké to na état de droit kata mboka o. Pendant que état de droit ki cheval de bataille chef de l'État pour avoir relevé mboka oyo parce que dit-on la justice élève une nation. Dès lors que justice oyo c'est la Sony, même le président français a décrié justice à Congo. Bakangi muta détourné bon en boka ba million lo ibati ki alibanda mais muto ayiba ki lipa a couper na prison pa ibati lipa. C'est ça le problème. Moi je pense que toujours décrier matin midi soir agissement ba magistrat na biso du reste ils doivent être sanctionnés s'il faut ya ko bengana bango ba bengana bango. On vient de regretter de nouveaux magistrats ici. Mais pourquoi ne pas kolongola tous ces anciens magistrats? Oh, bah, ça la soigne en boca. Oh, n'en dis pas justice, Nabissou. Mais parce que l'État, pas d'aller côté la question, le magistrat, bah, vous continuez toujours comme un salaire, Nabango, ou vous pesez sur le trésor public. S'il faut le faire, bah, ça la yango. Parce qu'avec de tels magistrats, bah, Mboka, ou écoutez les matés, papa. Bon, écoutez les matés. N'a autant que peu sur exemple, Awa, bah, zo spolié, bah, zo teki, n'a concession à l'État, bah, zo bangati. Et puis, magistrat, n'y mi, quoi, endosser responsabilité. Il y a qu'on rendre jugement en faveur et en particulier au détriment à l'État. Mais parce que ministre de la Justice a dit qu'on a le secteur n'a pas la moutée. Il y a un lobby, toujours peto, to chef à la mouka. A l'ongo la mouasiwana, Rose Mutombo, qui dit reste, elle est incompétente sur toutes les lignes. La preuve est là, qui est dans la cour des tribunaux, et ça sonne. Au tel jugement, ils ont rendu moyen à l'argent. Ils ont monnaie, ils ont jugement. Vous comprenez? Bazo monnaie ba arrêt. Mais est-ce que d'abord ministre de la Justice a soit répété que ça la tour il y a ba cours et tribunaux, il y a ba parquet même il y a ba tribunal de grande instance. En tout cas, des fois comment na tikala ko mona ya sala tourner wanati. Elle devait convoquer ba chef ba juridiction yo so wana. Ko benda ba matoi. Au besoin il faut les sanctionner parce que ceux qui ba lobby hein. Il y a pas de mauvaises troupes. Il y a que des mauvais chefs. Si on va dire qu'on sanctionne le procureur Wana, on va sanctionner le magistrat viré Wana. Dès lors que ces procureurs ne sont pas sanctionnés, parce que ces magistrats, avant à rendre un jugement, va consulter le conseiller, non? Tout à fait. Est-ce que le conseiller va éviter que le jugement va rendre ça malamouté? Parce qu'il va pester quelque chose. C'est ça. Trancher en faveur de Mutuboyi. Trancher en faveur de Mutuboyi. Et c'est là qu'il y a un conseil d'État. Vous comprenez? Bazo imposé au magistrat, au magistrat conseil d'État, rendre jugement en faveur de Moutoutel et Salamawa. Or, le magistrat en soi, il doit être libre, sauf qu'il rendre jugement. Mais comment influencer par leur chef? Il y a un chef incapable, il y a sanctionné. Pourtant, il y a un dictat.
tranché en faveur à Moutoutel. Est-ce que vous avez le courage à vous sanctionner? Mais lelo Togoloba, et bongo, qui dirait Togoloba nini, hein? Que dirais-je maintenant dans la situation, il y a conseil, il y a magistrature, il y a le kouma, il y a le mboka, bien nommé Kamuleta. Est-ce que bango oyo, baebi, et tinda ya mokonza mboka, oye lobi que, basala mosala na bango, basala impartial, basala neutre. Vision ya mwana mboka Félix Tshisekedi ya lobike bo sala musala ngai Félix na kokota makambo ya magistrature te bo rendre ba justice ya ba jugement maître mais lelo ba jugement ezali rendi ezali ko sala pasi mingi na kata ya ba congolais yango na za désolé na mwana mboka Kamuleta. Moi je pensais que le coup la remplacer mwana mboka Kaluba c'est lui qui devait quand même relever ses défis ya justice congolais o ezaki terni l'image ya justice ezaki terni. Je pensais que ce qui a Yewara a relevé ces défis. Vous comprenez? Malheureusement, le même pratique décrié hier, ils ont continué les lots. Qu'est-ce fait maintenant lui, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature du Congo? Moi, je pense que le chef maintenant doit s'élever. Parce que l'image n'a aimé, il s'est mis en cause. Parce que les lots, on ne parlera plus, il y a état de droit dans Katamboka, avec tout ce qui se passe au niveau de la justice congolaise. C'est à lui maintenant de viser pour avoir salir rien. Chef Atelema, moi je pense que au Congo, il nous faut aussi une dictature positive, quelque part. Pour laisser ces Congolais, mais libre à Salamoussala, voilà les conséquences. Hier, vous avez décrié, oh, bazo influencer justice par les politiques, bazo Salaboye, bazo Saba dicta Libanda, le chef est venu à Ibisibino, na tike libino, bazo Salamoussala, na bino, avec toute indépendance. Mais la bêtise va magistrat va ça. Ils allaient au salle passe. Moi je pense que le chef doit s'élever. C'est lui le magistrat suprême. Abet à bâton. C'est lui le... S'il faut qu'on impose Bango, il faut les imposer maintenant. Une bonne justice. Vous comprenez? Une justice équitable. À la hauteur, il y a beaucoup de biso. Le reste la Sony. Ce qui l'élo, le président Macron a eu à l'obéir justice à Congolaise. Yem te la moussika. Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Les lois sont en Mboka Oyo, sont la loi du plus fort sur le continent en Mboka Oyo. C'est lui qui a l'argent, c'est celui qui va gagner le procès. Tout à fait. C'est ça le mal. Or, ils se décrivent Kango lorsqu'on était à l'opposition. Mais les mêmes pratiques, wana, elles ont eu les lois. Moi, je pense que les chefs doivent comprendre. Le même système qu'on avait combattu hier, il y a eu les Zongi. Moi, je pense que c'est bon, ça en cours. Voilà, qu'est-ce que likamunini to solutioni to ba remède nini mon amboka Félix Antoine Tshisekedi akoki kozwa par rapport à justice amboka na remède aliboso attaque numéro 1 magistrat suprême. Il faut commencer maintenant à radier tous ces magistrats virés. Deuxièmement, qu'on radier ba responsable ya ba juridiction wana o ba incompétent wana. Vous comprenez, le président devait mettre une commission. Ah, c'est la commission, on a présenté, c'est un juriste. Il y a des éminents juristes dans ce pays. Et il peut faire que ça, la commission, on a. Bah, ça, la descente, on a la cour des tribunaux, on a la biseau. Bah, ça, on a la justice, on a les vraies raisons. Bah, qu'on découvre que jugement, on a dit, rendu, dans le Kouta. Il devait faire ça. Il a créé beaucoup de structures, au niveau président, on a créé structure, moko wana. Il y a un juriste. Cabinet moro juridique, la carte présidence ouana, et qui t'en a battu aux tribunaux. Et après, ça arrive à rapport à sanctionner directement ce magistrat verré. Oh, bon, ça peut battre sur la justice. Le bon, c'est le chef de l'État. Le lobby a diversé par le monde. Où est l'État des droits dans ce pays? Tout à fait. À cause de ce magistrat verré. Moi, je pense que le chef doit s'élever. C'est lui le magistrat suprême. Abet Ali Bourou Namisa. Sanctionner tous ces magistrats verrés. Sanctionner ma cousine à Bango, ma procureur Rwanda, oh, bon, ça est le côté, dans ma cour de tribunaux, les sanctionner. Dès lors qu'il n'y a pas de sanctions, il y a pas qu'il y ait hémorragie ou de la retraite. Moi, je pense que sur le long, il y a un procureur général. À cause de la cour de la je pense que y a un procureur sanctionner, il y a un procureur. Vous comprenez? Parce que si tu es chef, si tu ne sanctionnes pas, nous sommes les seuls malamoutés. C'est le problème. Moi, je pense que les chefs devaient commencer à sanctionner. Bah, il y a des cours de tribunaux.
Mais parce que les gens qui ont été salis dans le cas de RDC, moi, Félix Antoine Tshisekedi, Azali, quand même, comme ça, le champ d'action dans l'état des droits, les gens qui ont été justice dans le cas de lobby justice élève une nation, mais les gens justice ont été la Sony dans le cas de ba voix ze moyen ni ni toi ko ça là pour que même congolais même ba oyo bazali ko subir ba jugement o ezali mala monter te faire partir ministre de la justice. Moi je pense que on pouvait mettre un numéro vert directement à la présidence que oyé outi ozala procès par na mututé tu estimes que tu as raison au moment que jumeaux ali rendi na faveur à mutu qui coupable vous appelez ce numéro vert. Tout à fait. Vous appelez ce numéro vert. Et le président, c'est qu'on quitte sur le terrain. Et qu'on s'engage dans le jugement. Voilà. S'il faut même confronter les deux personnes, ben, réellement, son jugement, les animaux malades ou pas. C'est ça le problème. Parce que c'est. Parce qu'il y a un monde qui pourquoi pas le magistrat qui est à l'encontre dans le jugement. Parce qu'on statue sur base, il y a déjà. Ni les avec la conseil verbal. Et ça, on a déjà. Vous comprenez? Il faut statuer sur le base d'un élément aux Alina. Mais moi je pense qu'il y a un code pénal les Aliwana. On s'en passe dans le code pénal. Tant que les gens ont il y a un fautif sanctionné conformément au code pénal Yambo Kanabiso. Mais pourquoi nous avons mis 14 ans? Vous comprenez? Moi je pense que le président a fait la mise sur la justice congolaise. Sinon, tu es fin de ça y est. Bisous au combattant qui va pratiquer Oyo. Dans l'ancien régime, et le même pratique que Zongi. Moi, je comprends. Batouana va se lancer à dessein pour salir le chef de l'État. Vous comprenez? Pour salir son action dans le niveau de justice. Que les chefs comprennent cela. A Fungolamissou a créé même une direction juridique dans la présidence. Va quitter la cour des tribunaux. Va s'imprégner dans la réalité. Va palper la réalité de la justice dans la mission du droit. Bah, Matisse la cahier. Parce que ces procureurs ne font rien. Ils ne font rien. Mais tout le monde, le président de la République, il est mon copain. Il n'y a pas de trahir. Mais le président de la République a bien dit sous l'Union sacrée, tout le monde, plus de 500 partis politiques. Oui, félicitations, bravo. Mais dans le cas parti politique, ce sont les ressortissants kabilistes qui sont dans le l'Union sacrée. Est-ce que le Congo va espérer un changement de la situation de Mbo Kanabiso? Il y a un autre qui est là. Les chefs de l'État battent sur Bayouana. Vous allez surprendre. Vous avez son émission passée. Les chefs de l'État ont changé classe politique congolaise. Au cas où on a 2024, après qu'on soit élection, ma ministre, vous allez 80% jeunesse. Vous allez ministre. Ces vieux-là seront surpris. C'est ça la manière. Il y a un code de la bande de touche. Qu'on change la classe politique. Tchaba gêne. Ben, on a soufflé à Sika, on a énergie à Sika pour servir la nation. Parce que bah, vieux, bah, là, c'est limite n'a pas mot. Bah, là, c'est limite n'a pas mot. Bah, j'ai rien beau pendant plus de 4 décennies avec Mobutu. J'aime toujours la Bahati Lukwebo. Il a dirigé ses pays avec Mobutu. Avec Kabila le père, avec Kabila le fils, avec Félix. À ça, je me vois au Pessaté. Je vous dis, à ce moment-là, au Pessaté. Le vieux Alain Atundu. Alain Atundu. Il a travaillé depuis Mobutu. Tous ces vieux-là, bah, on peut s'assurer ni, on va peut s'acquitter pendant tous ces 4 décennies. Moi, je pense que ce qu'on veut dire, c'est énergie à la jeunesse. Jeunesse à Sikoyo, et peut énergie à Yango pour le développement. Parce qu'avec ces vieux, tu espérer le côté. Moi, je pense, connaissant le chef de l'État, par sa manière de faire, il y a une mission qui va vivre en 2024. Au Congo, via au Sénat, oui, aux acquis de l'Union sacrée, pèsent à trois noms à battre. Via aux acquis de prix, à pèsent trois noms, bah pour Niger, Nouana, bah tiens, ministre, via tiens, n'a pas de touche. C'est ce que le président fera. Je vous dis, Félix Ossala Yango, parce que sa mission est de changer la classe politique. Yango, on a encouragé qui va jeune, bah postuler et mêler, pour que tout soit, bah député jeune. Oh, ben, on a énergie à Sika pour changer les choses. Parce que c'est vieux, ben, là, c'est limite, n'a pas mot. Ben, travailler dans Mobutu, les pays ne changent pas. Ben, il y a Kabila le père, ben, il y a Kabila le fils. Ben, on a traîné Kabila le fils, oh, yo, dans les boulous. C'est vieux loup, des voleurs, des détourneurs en Mboka, il y a des lieux publics. Ben, c'est l'Union sacrée. Mais malheureusement, ben, on s'est surpris. Parce que Tshisekedi, Azali, maestro dans la politique, ben, on s'en a pas de touche en 2024.
Voilà, bah, on a une bande de touches en 2024. Et on continue toujours l'émission parce que tout le monde pour tout le monde, on a une érotique là, parce que la bah, situation où ils allaient, ça vraiment pas si au sein de la population congolaise. Bah, mboka, bah, zali na posa mboka na mango, et bonga, mboka oyo, et kende liboso, mboka oyo, tobe ngana ba mouton noir, bah, tu n'as pas lingi développement, bah, lingi changement, mboka te, bah, tu n'as pas lingi ete, congolais à vivre malam mouté, c'est n'est tobe ngana bango, to chasse bango, moussika ya. Ya mboka na biso. Alors on va continuer lelo oyo hausse des prix na kati ya okatanga pénurie ya maïs et koti. Alors gouvernement dirigé par le VPN et économie akei na Zambie ko négocier. Après Zambie bazongi na Lubumbashi lelo oyo ordre d'émission ya 10 ministres. Est-ce que trésor public na biso ezali na moyen de respirer? Voilà pourquoi on a eu ça. Moi, je suis à Malukonde. Les pays, d'abord, il y a d'abord des institutions qui sont budgétivores. Et vous continuez encore, il y a qu'on saigne encore le trésor public. Et on a mis ça, pour la mission, il y a des personnes qui sont encore 10 ministres. Problème, il y a ma sangou. Pour le problème, il y a ma sangou, pénurie, il y a ma sangou. Est-ce qu'il est nécessaire que tu aies 10 ministres? Pas qu'il y ait de négocier ma sangou dans les Zambie. Est-ce qu'il y a qui est important? Moi, je pense que. Il faut qu'on limite d'abord les dépenses. Il y a l'État. Parce que Mboka est en cas de souffrance. Le peuple a souffert. Pendant que tu as décrié dans nous, les institutions Mboka sont budgétivores et vous continuez encore à saigner les trésors publics par Sama Lukonde. Il y a que ça là, un ordre de mission à 10 ministres. Mboka Bele Bongo. Population et l'élite. Ce que tu as dit même dans le cas Internet, population, ils ont dit qu'on est là. 10 ministres, Bakéi. Et puis, tout le monde dit, ministre Moko, tout le monde, tout le monde, tout le monde, ministre Moko, Akéi, il y a une mission. Il y a un Masangu, mais ministre Akéi, il y a l'implantation des partis politiques. Est-ce que nous sommes là? Ils ont dit qu'on est là, population dans le cas des ordres. Ministre Hydro Carbir. Moi, je n'ai pas dit de vous dire. Aucune mission, n'a frère à l'État. Ordre de mission à l'État, mort sur l'État, aucun autre qu'on redynamise parti na yo, na mine. Est-ce que ça normal? Est-ce que ça m'a nous compte vraiment? Est-ce que tu as signé ordre de mission ou non? Tu t'es, on s'est rendu compte dans ma mozo ça? Son ministre, moi je pense que, bah voyager à Japon, c'est un voyage. Moi je pense que le VPM et économie, c'est lui qui était censé avoir la mission ou non? Il est moko. Mais envoyer 10 ministres pour une seule mission, moi je pense na mona ki raison ya ko tina 10 ministres pour que nous négocier ma samu na zambite parce que le trésor public voyage na bango ne soko landi olandi nini ordre de mission on remona ke nyonso frère nyonso dali au sein ya trésor public. Est-ce que vraiment trésor public na biso et besoin moyen ya ko respirer et fouta ba fonctionnaire attend na ba ordre de mission ya ba 10 ministres ya boy? Moi je pense que les gouvernements congolais fallait pas ça là, ordre des priorités. Vous comprenez? Moi, je ne pense que, et c'est là qu'il est nécessaire que tu aies 10 ministres pour une seule mission, il y a pour négocier ma samou na zambi. Bon, mambo, que bimie belé, mais la ministre, elle m'a dit qu'il y a un parti politique na bango. Vous avez vu qu'on sert encore le plus à peuple congolais. Parce que le peuple continue à souffrir, à couvrir dans la misère, mon bimie à l'État, il y a quand même un redynamisé par la yo. Voilà, c'est un peuple congolais encore de plus. Mais président Félix, a dit que Romain n'a pas eu ça. Il y a un autre qui a dit que le problème n'est pas le chef de l'État. Tant que Mbatché Owana, Sama Lukonde, chef à gouvernement, est-ce que à lui, après qu'on réfléchisse, que non, qu'on signe 10 ministres et ça veut dire qu'on signe le trésor public. Il a fallu le chef d'État intervenir. Tant que Mbatché chef de gouvernement, responsable du gouvernement. C'est ça le problème. C'est l'ordre des priorités fait à la CA. Peuple a souffert. Totinda, ministre, VPM, Nimoko Ekonoma Kende, au besoin des ministres, pas Kende. Pas des ministres, parce que d'abord, ça charge, ma ministre, déplacement et ministre, et ça combien? Tout ça, na charge à trésor public. Logement, na yé, frais d'émission. Et puis, bah, séjour, na yé. La mission est 7 jours. Allez, c'est depuis les premiers mains, moi, bah, aussi, c'est un peu les 7 mains. Le premier ministre, aïe, bah, ça, l'ordre des priorités. Aïe Bayango, il y a des chefs de l'État. Les chefs seuls ne paient rien. Tant que tu es premier ministre, il y a des chefs comme il se doit. Il faut limiter les dépenses. Pendant que vos institutions, et c'est nos budgétivores, peuvent se retrouver, malgré le budget, m'a dit, panier de la ménagère et a toujours n'a pas si. Mais bonjour, qu'on a encore des dépenses inutiles.
au profit à Batou, oh, d'abord, va faire la vie à l'X. Non. Notre premier ministre, vous devez aider les chefs de l'État. Vous devez l'aider. Bon, c'est l'ordre des priorités. Bon, il va dire tout ça là. Vous comprenez? On est de saigner encore les trésors publics. On est tellement à peuple comme là au souffle. Moi, Namboka, Lelo, Nazali a besoin vraiment de vie na yo, face à la question, Nazali Kotou na yo. Moi, Namboka, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, à l'obaki, l'Ikamboué, au Italie, train de vie à l'État. À Sengaki, na gouvernement, je pense, et Zalaki, na 29e ou bien 30e conseil des ministres, à Sengaki, c'était un vendredi, ceux qui n'ont vérifié la date, c'est Gozong. À Sengaki, na moi, na mboka, Samaloukonde, ame kakobeta na table, question, ya réduction, ya train de vie à l'État. Mais question, wanati lelo, il a la boye, tokosuka wapi, la train de vie à l'État. Je pense que l'autorité budgétaire est allée par député national. C'est à eux. Mais par député national, il y a 21 000 $. Il y a un bandit dans le confort. Il y a un bandit. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Vous comprenez, c'est ça le problème. Alors, il y a un dictateur. Après, si ma recommandation, c'est aux députés nationaux. Il y a un peuple, il y a un polo. Il y a un peu de temps. Avec au PSA au Polo, pour au PSA 21 000 $ chaque fin du mois. C'est ça le problème. Voilà pourquoi j'en appelle au peuple congolais cette fois-ci. Pour qui voter? Bon, votez au PSA voix, moyennant pour 1 000 francs congolais, pour PSA 21 000 $ chaque fin du mois, il y a une famille. Les chefs, assassins Naki, Namboso, qui est leur président, va réduire train de vie à l'institution. Mais pourquoi ça traîne jusqu'à 7 heures? Les chefs ne payent pas. Non, parce que bah, on va se retrouver dans le confort. Bah, voilà. Monique, ils point moko oyo. Ceux qui va simbi en moi, ils ont mi simbi. Aux hommes, on a dit que les gens qui que les lo oyo, les questions et train de vie, il y a l'institution, et ça, wapi. Président Christophe Mbosonko Diampwanga. Question et train de vie, il y a l'institution, et ça, wapi. Tout à l'heure, les gens qui ont dit que les gens dossier, on a tout traité en moi. Bah, 21 000 $ et ils ont maka, équita. Bah, 120 000 $ et ils ont mis mon akati à ma ministère, ma ministre, ils ont touché 120 000 $. Tu as dit ma question, on a dit, bon, quitte, c'est la mission, on va monter, parce qu'on est, on en a marre, mon frère. T'as là, bah, député, on semble avoir ça, là. Oh, t'as l'intérêt dans Bango, bah, on l'obéit à Yango, t'es cara. Vous comprenez? Et batabon, batabon, bah, l'ingapé, les Congolais. Mais l'homme, bah, sous conscription électorale dans Bango. Peuple naïf encore qu'il est, à qu'on vote sur le même député. Voilà pourquoi j'en appelle aux jeunes. Bah, voter, bah, jeunes cette fois-ci. Bah, relever, bah, défi. Oh, ils allaient à peuple congolais. Qu'on vote, bah, Batouo. Bon, on peut avoir encore opportunité. À ça, là, qui n'a pas été foutu là, à comme il n'a pas campagne. Namoutouna yo. Le gola voit au PCI. Lele Oyo. Bah Sengi Bamo par les chefs de l'État. Bah réduire leur train de vie. Baboy. Comment on dit? Parce que ils ont intérêt na bango. C'est quoi intérêt père Balo Bakizawa? Pour vous dire que, bah quand on a un hémicycle, on a un intérêt peuple congolais. Bah quand on a un intérêt na bango, na ba famille na bango. Au moins, on a un piéton. Après 2 mois, a eu des émoluments à comme une jeep à l'Ikoro. Mais malgré wana ozana emolima lelo oyo to komana ba dynamique na kati ya assemblée nationale nyoso wana bimisaka mbongo ozali na palissade ba pesi oyo ya ofele ozali na carte limba oyo ke chaque semaine ba tela ba carbika réservoir full ozali na 1 000 $ to yebi ba montant wana nyoso 1 000 $ oyo ya chaque weekend député nyoso zoka 1 000 $ alors nyoso wana est-ce que ezali vraiment ko aider population congolaise yango na yebisu awa na zo interpeller la jeunesse congolaise. Oyo ba débité ba recours na ba polo na ba 10 000 francs. Ba zo ka ben invisible chaque mois. Chaque semaine. Ben on ba invisible. Ben invisible, tout à fait, voilà. Vous comprenez? Voilà. Ba zo vivre malamu ko le kangana yo mtope to vota bango. Ba bon voter à Kimi à la veille. Il y a l'élection à Zong na quartier, na ya bino, mais moi na quartier, so so ndako. Cette fois-ci to ko voter bango te. S'il faut qu'on faire que ça là, contre campagne, contre ces députés. Nous les ferons. Tout le monde qui s'appelle qui vote. Votez la jeunesse. Votez Bato Babouni pour Nabino. Vous comprenez? Qu'on vote ces députés. Parce que comme il y a un défendre l'intérêt de Bango. Imaginez-vous, on a arrêté un criminel économique, Mwanga Tchouchou. Mais il y a des députés, oh, bah, Zumbongo, moyenna l'argent pour défendre Mwanga Tchouchou, qui est le destructeur en Mokaou. Entre autres, Ndekwe Eliezer Tambwe. Nanaebisio.
Mais il y a des gens qui sont honorables. À lui seul détient 90% de la mine congolaise. Vous imaginez? Mais il y a des députés qui ne vont soutenir rien. Ils vont défendre les pays. Voilà le niveau d'inconscience du peuple congolais. Voilà le niveau d'inconscience du député congolais. C'est-à-dire que pour voter, il y a des gens qui sont dans 4 hémicycles. Tout le monde a dit. Papa Moli, il y a un nous sommes là pour ça, il y a nous sommes dans la théâtre. Vous comprenez? Daniel, ils savent. Non, non, ça, ta proposition de loi, c'est un cas aussi. Quand ma dans les réseaux sociaux, c'est ça les députés qui ont voté. Cette fois-ci, tu as dit qu'il qui voté. Voter la jeunesse. Voter utile, voter la jeunesse. Parce que ces députés, on a dit qu'ils ont voté. Tu voté Bango. Mais tu as un combat d'intérêt à peuple congolais. Bah boy qu'on vote loi pour na diminuer ma train de vie na bango bah on touche ma 21 000 $ par mois ni moliman na bango sans compter les invisibles on va zoga chaque week-end pour na okéne ma kangou na bango biso ba zoba to vote ka bango cette fois-ci to voter bango ti congolais pe et si ayebi déjà que ba élection ngo ezali ko pour ko pousana déjà na mois de juin depuis ba candidature kalamingité ba wa ba kimaki ya 5 ans passé ba kozonga lisusu ngaye yo na ye apesi polo apesi thomson apesi soki na ye bité 1000 francs soki 10 000 francs population azui azongisi lisusu ezali pe ko sala passi est-ce que le lo oyo ezali rythme ya vie oyo ba politicien ba tsana mutu ya ba congolais que à chaque fois il faut polo il faut thomson il faut 10 000 est-ce que moi, ils allaient à Colombo la macanisio, on a que député aille à convaincre la population dans ma loba, population à PCI et PVO. Il y a mon lobby cette fois-ci, ton côté à peuple congolais qui vote. Parce que Moussa la député, ils ont réussi à la ponte, ils ont aussi la mise au courant. Vous comprenez? De voter les lois, et puis pour contrôler l'exécutif. Il y a mon lobby population parce qu'il n'est pas enseigné. Il n'est pas informé. On a monté la bino courant. Et ça, nous sommes là. Il y a un câble. Il y a un câble. Courant, il y a un câble. Il y a un autre qui sa population qui vote. Vote utile. Soit vous avez un polo. Les sphinx, ça a été dit. Tu as dit que vous avez un polo. Vous avez un polo. Vous avez un bon. Vous avez un bon. Vous avez un bon. Vous avez un voté. Vous avez un bon. Cette fois-ci. Jeunesse congolaise. A avez un polo. A avez un bon. Vous avez un bon. Vous avez un bon. Agenda na ba imuri makuna o vota tie mais ko vote ete batura ba lingi bisote aucune loi o ezana avantage ape parce que ko vote kuna kata hémicycle wana pendant 4 mandature na bango to to biso awa so ba lingi peuple wana vota ka bango ba lingi ba ndima ko réduire le train de vie na bango mais ba boy ata député moko na législature il y a 2011 non 2006 je crois au caméra c'est là qui président assemblée nationale. Mais Moutabana comment ça va le salaire à la députée, ça peut être caméra tout ni ba député ba diminuer salaire na biso ba ba policier qui sont pour na ba député pasteur ba tout moula mousapité na ba député pasteur na ba autant ba kuna bona une émission ba tout moula mousapité mais garde corps azo kengela yé pona vie na yé ba matiré salaire député ba ko tout moula mousapi vous comprenez mais ce ba lobati to pese nous à palissade qui sont pour tout le monde n'a pas député, soi-disant opposition. N'a pas fait de cause à l'électeur. N'a pas de palissade, mais tout le monde a palissade. N'a pas de blouson, il y a azu palissade. Moujou a palissade. Nomas, azu palissade. Moujou a palissade. Fayoulou a palissade. Mais il y a cause à l'an. Il y a cause à émoluments. Il y a invisible. Il y a député opposition. Il y a cause à vous comprendrez que pour ce qui concerne leurs intérêts, bah le langage moro ba monyos parce que bah il n'a pas prêté. Pour na même na député opposition, tant mou ba sengi ba renou train de vie, même opposition ba boy. Alors peuple congolais toujours interpellé bino. Cette fois-ci, tout l'ensemble nous ba ni pour voter. Voter la jeunesse parce que tous ces vieux au voter ka bango moyen na ba dingi ba pesa ka bino, bo ke nande ko somba bino pour na ba 21 000 na ba famille na bango. Tu travailles dans l'opposition, tu mouilles les maillots. Les gens comme ministre, aujourd'hui, on en a comme DG. Mais ma collaborateur, si ce que tu as vendu, tu as voté par député, na IDPS, CRT, tu as voté par l'autre côté, un simple photographe, tu as voté par moi, 12 députés provinciaux.
Vous imaginez, IDP, c'est même un sénateur. Mais nous avons 12 députés. Et pensez-vous que ces députés seront encore réélus? J'ai dit non. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Mais est-ce que Nali Pegosa la faiblesse paye à IDPS? Parce que les lots, oyo, IDPS, les lots, oyo, Azali, n'a pas depuis. Et ça n'a pas tout moussous, soit côté, n'a pas dynamique. Mais Bazali va ressortir sans qu'il y ait IDPS. Est-ce que Batouan ne soit Nali Pegosa la faiblesse à IDPS, les lots? C'est ce que je vous dis. Sors Nabango, j'en ai 2023. Certains te votent à Bango. Même Polo Bazala n'a pas un mot sur la campagne. Ton ici est député. Mais les lots, à comme une dynamique immobile. Allez-y comprendre. Dans la télévision, un député opposition. Ah, mais je ne comprends pas les IDPS. Vous avez 12 dans l'Assemblée provinciale. Vous avez 9. Vous avez 9. Vous avez gouverneur à la ville de Kinshasa. Vous imaginez? Dans mon raisonnement, ils ont réfléchi. Normalement, IDPS devait prendre la tête à la ville de Kinshasa. Pour ça, miroir, il y a bien beaucoup. Mais pour ce qui est de Ngobila, il y a une ville de la ville de commissalité. Mvula gaga mukie so gebeti ville tondi. Ville tondi. Kini bopeto ou ensemble avec kini bopeto. Ba monter ba poubelle partout. Ville comme solo, malaria et paille. Kini bopeto. Mais le gouvernement central a zo débouché 2 millions pour na kini bopeto. Mais tout mona ba immondice partout. Mais est-ce que ezali pété que gouvernement central yem tadali ko vimbisa mona mona mboka chantiningo bila mutu na maramnos parce que ezali ko kipé té na sans contrôle na ba action et nyo ki na ebisa ki yo contrôle il faut IGF. IGF azo mona gouvernora sa ni du gouvernora ki ya ki tsata ki sala enquête kuna mais sa lingé kenon na kati ya gouvernora ya ki tsasa o sala banquette mbongo ma chef fait du mois $2 millions sans compter mbongo oyo ville bibisaka pour na kini bopeto. On a fabriqué on a 15 mètres chaque fin du mois. Ce n'est pas normal. Aussi longtemps va député provincial à Kinshasa va aller crever, va aller coller la salaire na bango. Ces gens, tous ces députés provinciaux, ba on a 2023 na biso moko peuple. To l'accès bango qui voter biso. Ba communicateur à chef de l'État. Tout le monde a voté, ou a voté. Tout le monde a dit que la famille a voté. Ba a 21 000 francs, ba 21 000 dollars. Allez, quel libéral a été mis? Ba a la veille à l'élection, ba na polo. Soit il y a un polo, soit il y a un autre chamoulop. Il y a un bon lien, il y a un autre voté. Cette fois-ci, pour voter jeunesse congolaise. Cette fois-ci, pour voter jeunesse congolaise, pour voter chef de l'État. Voilà, tu vas aborder sujet à Souka. Parce que tu as comme d'avoir cité à Souka. Tu vas aborder sujet à Souka. Les lots, ils ont dit que ça, la passe, tu as moni, na tongo, le to la mouki, tu as moni, dizaine ya ba congolais, ba koufi, et puis, na kati wana, tu as moni, ba zali 4 militaires, na 6 civils, oye, ba koufi. Alors, les lots, oye. Tozali kokende wapi tolobaki awa ke est-ce que retrait oyo ya M23 ezali secret mon côté bazali ko se préparer bo basa la retour en force question en union sozali ki ko sala passe lelo oyo na commandant ya général ya sika ba nommé ya nini ya EAC aye na mboka lelo oyo na force régionale union sozali na kati ya est ya mboka na biso mais massacre zali ko continuer ba tuerie zali ko continuer agression zali ko continuer est-ce que est ya mboka na biso ba kongola ba ko espérer na kimia toujours déplorer ba mort de trop la population congolaise. Bah, de coup, tu as encore condamné beaucoup de familles dans la partie est en Boko Nabiso. Tu as compatir la famille, on va perdre l'île de Bango. Mais il y a des gens qui ont une stratégie. Oyo, les Européens, ils ont créé terreur au peuple congolais. Pour déplacer les tiques dans le territoire de Bango afin de déverser les Rwandais dans le territoire Rwanda. Ils ont abandonné par les autochtones. C'est ça la stratégie. Parlons de M23. Et là, il va se retirer, mais Lukuta, il va se réorganiser encore pour attaquer la ville de Nabiso. Avant-hier, il va arrêter plus de 15 miliciens, il y a M23. Il va s'infiltrer dans Katagouma. Allez-y comprendre, en tenue civile. Il y a eu leur stratégie, là, ils ont encore. Il y a une grande ville comme Goma pour contraindre les chefs de l'État à négocier avec eux. C'est ça la stratégie. Parce que bah y a la voix à Bitumba, bah coûte une résistance farouche.
les phares d'essai et contenir bango. Maintenant, bah, coquitter, bah, ça lui semble, il y a qu'on se retire. Pendant que bah, on se renforce, bah, on renforce ma position à bango, bah, s'infiltrer dans la population civile, dans la Goma, dans Masisi, Masisi, pour qu'on croie sa Goma. Il y a un moment, heureusement, nos forces d'intelligence, nos forces loyalistes, va démanteler le réseau. Ba kangi bango les Rwandais, je vous dis, il y a M23 va s'infiltrer dans la carte à Goma en tenue civile. Mais où sont leurs armes? Il y a on a vu ça autrefois. Toutes les caches d'armes mona kana carte sa territoire congolais. Et ça qui va position avancée, il y a Kagame na carte mboka na biso. Vous comprenez? À quoi infiltrer ba dans tenue civile, ba cache d'armes ba il quelque part, ba le groupe ba cache d'armes quelque part. C'est ça. Récupérer il y a un peu prudent. Il y a beaucoup de cash d'armes dans la partie est. Même dans la carte, il y a un peu de Rwandais. Il y a un peu de cash d'armes. Il y a un peu de cash d'armes. Et ça va position avancée à Kagame. Alors, il y a un maintenant. Il y a des milices à M23. Où sont leurs armes? Ce qu'il y a des caches d'armes dans Katagouma déjà. Ozosenga, toujours alerté. Ma force n'a dit intelligence. Découvrir. Il y a des caches d'armes, certainement. Parce que ma côté bango mo tenue civile. Est-ce que minute Rolanda bango? Parce que minute Rolanda Zelani. C'est mercenaire. Voilà pourquoi Ozosenga vigilance. La militaire n'a dit soit faire DC. Na ba service d'intelligence ba fungola misu parce que démarche comme moko ba ko isa goma pour ba contraindre chef de l'état en négociation. C'est ça la position. Il y a ba impérialiste, il y a ngoyo kaki ministre affaires étrangères il y a Kenya a sa une déclaration par ici à États-Unis. Vous comprenez? J'ai été encore déçu à komona matata ponyo qui devient donneur de leçons. Azo senga na gouvernement congolais a négocié avec les M23. Voilà les traîtres encore de plus. Et on a vu ça autrefois. Matata Ponyo, Vincent de Paul Lunda Bounoulou, premier ministre, vers les années 90. À l'Oba, moi j'étais premier ministre. Na Zaïre. Matata Ponyo, a sa qui chargé des missions à Rouen, na kata Zaïre. Mais à quoi ma Congolais n'engeni? À quoi ma Congolais n'engeni, Matata Ponyo? Voilà, bato abou, ben filtration de ma kata Congo yango wana. Il faudra maintenant. Bambe kakolonde la biso lokola mutu lokola Rubero abotami na Rwanda ana trois identités différentes mais azali pe exercer abotami la peine na ba poste ya liboso abotama na Rwanda ya mibale abotami na Minembwe yemo mutu moko a se dédoublé. Voilà cette infiltration to lokana Congo na ba institution mboka baba député na mboka na biso ba misu ba premier ministre na mboka na biso. Vous comprenez les Congo Oyo ezo senga vraiment application stricte ya loi Tchani pour mettre fin à cette infiltration. Yango moni les voix s'élèvent de partout, bazo telem la loi Tchani. Po ba yebi que c'est une loi salvatrice pour Namboka oyo. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous tozo benga na mwana Namboka mboso, ba aligner cette loi na me awa. Ba traité yango ba voter yango leka pour mettre fin na ba ventir wana ba impérialiste na mboka na biso. Voilà, merci beaucoup mwana mboka to komi bongo na suka émission na biso. Alors na coutume ndenga to sengaka okotala caméra na yo okosadresser na population congolaise nyonso ozali kozela yo avec espoir na message espoir ozali komemela bango caméra na yango. Avant toute chose na ligne na interpeller d'abord le gouverneur de la ville na démarche ozo sala. Ils allaient collaborer pour combattre les partis présidentiels. Le bourgmestre ya commune ya Kalam, il a été interpellé à niveau ya ANR. Moi namboka Charlie Louboya. Mais comment est-ce que Moutou a interpellé à ANR? Il est bourgmestre au Azala qui nommé na ordonnance présidentielle. Mais le gouverneur ya ville va s'arranger. Il y a placé Moutoua remplacé. Pendant que son adjoint Zali, il faut assumer intérim. Tout le monde dit démarche Wana, ils ont biaisé. Démarche Wana, ils ont combattre les partis présidentiels qui est l'UDPS. Et ce n'est pas dans sa première démarche.
Autrefois, il avait suspendu le gouverneur et le bourgmestre IDPS. Dieu merci, Yangalima. Il revient encore pendant que Moutara a un problème. Na niveau ya ba service à renseignement na biso ba interpeller ye tu te précises piste ya ko remplacer ebo démarche on les a d'abord biaisé et ça normalité voilà pour toi aussi na ye ati ka ba démarche wana ezo la ki se kaso combattre le parti présidentiel qui est l'IDPS. Voilà, merci beaucoup moi Namboka na bandi été na émission pour les prochaines tokozonga la sur dossier wana parce que ça li pe dossier moko ezali ko couler beaucoup d'encre parce que même bourgmestre ya Kinshasa azali pe suspendi ba bourgmestre belé bazali ko suspendi mais ba suite ezali ko yeba na bourgmestre ya Gombe suspendi alors moi Namboka Gentil Ngobi la politique nini azali ko mema na ville province ya Kinshasa toko découvrir ngo na yo kaka na émission ezali ko ya pour que to meke un peu ko tsa ba population nso ba yeba information ezali koleka na mboka na biso alors mona mboka matondo mingi na ndenge ozwi lisusu libaku ya koyana invitation ya émission oyo na bandi ete tozali toujours ko continuer parce que sengeli to informer population congolaise na bandi message nini susu oyo iko lancer pona batino peut-être bazala posa koye ya koyeba isiko ozali ba yeba yo malamu ba kuzo ndengini so bolingi bozwa nga obenga numero na ngai plus 243 81 52 99 123. Nazali président ba sénateur debout ya IDPS. To se réunissa ka chaque samedi na limité na 10e rue. Toza ko recruter ba nouveaux membres, tozo former bango, tozo orienter bango na ba cellule respective ya IDPS. Voilà le travail que le Sénat est en train de faire pour le compte du parti. Du reste, toza ouvert. Oya moni ana besoin d'information, abenga biso na numéro 1 to pesi, toza toujours disponible na balandi ya Congo Live. Ba mesa na kulanda biso awa ezali chaîne oyo ezali la plus suivie. So bon ma bonne information bolanda biso à travers magazine oyo na kati ya Congo Live. Merci to kouté à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup to kouté à la prochaine. Mbote et pe kimia na mabote na binom.